6. J'évite la 7 et 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Youhou! Bravo, super! Vas-y, Georges, tu dois lancer le caillou dans la case 8. Si tu y arrives, tu battras ton record. Jusqu'à présent, tu n'as jamais dépassé la case numéro 7. Quand tu atteins la case numéro 7, c'est comme si la chance te quittait. Tu préfères une casquette? Regarde, Charlie a retrouvé ta balle. Rentrons avant qu'il se remette à pleuvoir. 13, 14, 15, 16, 7, 6, 5. Jamais il n'avait aussi bien joué. 3, 2, 1. Georges devait maintenant lancer le caillou sur la case numéro 8. Attention, Georges, c'est là que tu rates d'habitude. Chut, tu vas lui porter malheur. C'était maintenant qu'il avait plus que jamais besoin de sa casquette porte-bonheur. Ça alors, quel coup de chance. Wow. 3, 2, 1. C'est toi qui as gagné. Casquette porte-bonheur. Tiens, il était là, le sandwich. Mais enfin, Georges, qu'est-ce qui se passe? Ta casquette? Je l'ai trouvée par terre, alors je l'ai lavée. Elle est toute propre. Georges avait réussi grâce à sa casquette porte-bonheur. Elle est tombée avant que tu ne commences. Elle est trop petite pour toi. Comment? Il avait parcouru la super marelle de l'extrême démesure sans sa casquette porte-bonheur? Ce petit singe est vraiment doué. Il n'avait plus besoin de compter sur la chance pour réussir. Pour Gaspard, c'était pile la bonne taille. Gaspard, tu as gagné une boîte de biscuits pour chien. Hein? Je l'ai appris hier, mais j'ai oublié de te le dire. C'est ce qui s'appelle avoir de la chance. Georges, lui, savait que la chance n'y était pour rien.